voir le ciel? Parce que c'est encore en travaux en haut. Ça fait peur. Tu trouves pas? Il paraît que le plateau s'est effondré. C'était à l'époque où on bâtissait Midgar. Personne ne vivait dessus à ce moment. Heureusement. Sinon, ça aurait été une catastrophe. C'est quoi ça? C'est Wall Market. Le bidonville du secteur 6 est un endroit un peu spécial. Mais attends, tu sais sûrement déjà de quoi il s'agit, non? Je t'ai pas raconté. Quand je suis arrivé, j'ai tout de suite rejoint la Shinra. Que ce soit celui-là ou un autre, je connais pas trop les bidonvilles. Autrefois, pour pouvoir construire Midgar, on a fait venir beaucoup de main-d'œuvre. On a donc créé plein d'hôtels, de magasins, de bars et d'autres établissements. Ces commerces ont fait venir d'autres travailleurs et l'argent a commencé à couler à flot. Forcément, ça a attisé les convoitises et attiré des gens dangereux. C'est donc malfamé. Oui. Du coup, pour empêcher le quartier louche de s'étendre ailleurs, on l'a encerclé d'un mur. C'est comme ça qu'est né Wall Market. À l'intérieur de cette enceinte, les infractions sont tolérées. De cette façon, le problème est contenu. C'est le mur qu'on voit là-bas, c'est ça? Oui. Tu voudrais y jeter un œil? Ça m'intéresse pas. Tant mieux. Il y a un raccourci pour le secteur 7 par ici. Normalement, on prend le chemin qui passe par Wall Market. Mais moi, je conseille plutôt celui-ci. Quand j'étais toute petite, je passais déjà par là en secret. Le plateau effondré, il a été laissé dans cet état. On va passer par là? Ça a l'air rigolo, non? C'est quoi ça? C'est un bras grue. Ça a du charme, tu trouves pas? Oh non! L'échelle! Quelqu'un l'a remontée! Ce bras grue, on pourrait l'utiliser? Cloud! Bon,
Je vais monter sur le bras Gru. Alors transporte-moi jusque là-bas. Tu es sûre? Tout à fait. Une fois de l'autre côté, je descendrai l'échelle pour toi. À toi de jouer. J'arrive. Ça va de ton côté? Une chance. Laisse-moi tranquille. Allez, ensemble. Je vais m'en occuper. Yeah!
Essaye. Je vais le faire. À mon tour. Lâche-moi maintenant. On dirait que c'est un cul-de-sac. Changement de stratégie. Je pense que je tiendrai le coup. Courage. Quoi? Je crois qu'il faudrait que je fasse une courte pause. Tu ne peux pas saisir ce conteneur avec le bras gru ? Bravo ! Ben dis donc, tu manipulais des bras grus avant ? Oh mince, regarde! Pourquoi il faut toujours qu'on nous embête? Bon, ben, tu vas encore devoir t'y coller. Faut tout faire ici. Moi, je vais descendre. Cloud!
Je vais descendre l'échelle maintenant. A priori, on doit pouvoir descendre. Vas-y doucement, s'il te plaît. J'ai compris. Y'a quelqu'un? C'est désert, on dirait. C'est encore chaud. Et si on le rallumait? On pourrait camper? J'ai pas le temps pour ça. Et puis... Oh, regardez ça! On a deux voleurs, là! Hey, mais dites-donc, c'est pas gentil de s'introduire chez les gens! Pas le choix, on va devoir leur demander un dédommagement. Ouais. Un dédommagement. C'est quoi ce truc-là? Abruti, c'est pourtant pas compliqué, tu sais vraiment rien, toi. Un dédommagement, c'est comme... Bah, c'est simple. Bah, c'est... Tu
essaye, toi. T'es dommage, moi. Alors, c'est très simple. C'est... On n'a absolument rien fait de mal. Oui, on ne faisait simplement que passer. Oh, ils s'imaginent qu'on va les croire. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Donnez toutes vos possessions, ce serait déjà un bon début. Vos possessions. C'est quoi des possessions? Débile. Des possessions, c'est simple. C'est comme... un dédommagement. Les possessions, ah ouais, c'est un dédommagement. Bon, ça ne sert à rien. Sur toi. Je vais te montrer ce que je sais faire. J'espère que tu feras de beaux rêves. Je m'en charge. Adieu. Hey, vous autres, surtout bougez pas. Je vais les mordre. Je vais les mordre. Ils ont rien vu. C'est bon, ça marche. C'est le moment ou jamais. Allez, on se tire. Hey, vous allez pas partir sans moi, quand même. Dis, Cloud, pourquoi est-ce que tu as quitté les soldats comme ça? Qu'est-ce qui te prend d'un coup? Si tu ne veux pas en parler, pas de problème. Quand tu étais soldat, il y avait des gens avec qui tu t'entendais bien? Non, pas du tout. Ah, je vois. Oh, qu'est-ce qu'on a? Ça tombe bien. Je voulais essayer ma place. Je suis encore debout.
Je te remercie. Je vais faire descendre l'échelle maintenant. Ouais, bien joué. Attends, tu voulais... Dépêchons-nous. La prochaine fois, je ferai comme toi, d'accord? De quoi tu parles? Oups, pardon. Attendez un peu, les amoureux. Si vous voulez qu'on vous laisse passer, vous allez me donner toutes vos possessions. Je vais te montrer ce que je sais faire. Allez, dors tranquillement. Encore un. J'espère que tu feras tout. Je te laisse faire. Je m'en charge. Hehehe.
C'est là. C'est le portail qui mène au secteur 7. Il est fermé. Tu sais l'ouvrir ? Dis, avant ça, tu veux pas faire une pause ? Non, j'ai pas le temps de... 2 minutes, par ici. Dépêche-toi. Tu sais, je vendais des fleurs par ici, il y a longtemps. Ah ouais? Dis-moi, Cloud, tu étais bien dans la première classe, n'est-ce pas? Ouais. Je vois. Pourquoi tu me demandes ça? Ça me rappelle juste un ami. Un ami? Qui ça? Le premier garçon que j'ai aimé. C'est quoi son nom? Je le connais peut-être. C'est parce qu'ils sont imprégnés de Mako. C'est la marque des soldats. Oui, je sais. Désolée, je voulais pas t'embêter. Bon, on y va ? Allez, oublions le passé. Bizarre. Oh. T'inquiète pas. Peut-être bien que je connais un autre raccourci encore moins dangereux. T'es sûr de vouloir y aller alors? J'aille voir Don Corneo. Tu ferais mieux d'aller rejoindre Barrett et les autres au 7e ciel. Non, mais... T'as pas à t'inquiéter pour moi. J'ai un bon coup de pied. Tu le sais, non? Bon, d'accord. Allez, U! Avance! Ah non!
Tu vas pas la laisser seule. T'en fais pas. Tifa sait très bien se défendre. Elle s'en tirera. C'est pas si sûr. Cornéo est un vrai serpent. Aussi forte que puisse être sa proie, il l'enserre peu à peu sournoisement pour briser toute volonté de résister. Tu te rends compte qu'elle va dans son repère? Il y aura aussi ses hommes de main là-bas. Ça t'inquiète pas. Elle compte beaucoup pour toi, non? Il faut à tout prix la sauver. Maintenant! Dépêchons-nous! Il faut la rattraper! Bienvenue. C'est pour un chocobo? La fille qui était dans le carrosse à chocobo, vous savez dans quelle direction elle est partie? Hein? Si c'est pas pour louer des chocobos, sortez. J'ai pas le temps de répondre à vos questions. T'es pas le seul à être occupé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Je peux savoir ce qui se passe ici? Oh? Eh ben, vous êtes qui, vous deux? On est à la recherche de la fille qui était dans le carrosse à Chocobo tout à l'heure. Mais on peut savoir pourquoi vous la cherchez? Ben, pour aller la sauver. Parce qu'il la trouve jolie et qu'il veut lui parler, c'est pour ça. Hein? Toi aussi, t'as ce genre de goût. Bon, par contre, on a transporté beaucoup de filles aujourd'hui. Celle que t'as vue, elle ressemble à quoi? Elle sait bien se battre. On ne peut pas la reconnaître avec ça. À tout hasard, ce serait pas Tifa? Exactement. Elle t'a eu avec ses yeux revolver, toi aussi. Mon gars, t'as vraiment pas de chance. Tu vas pas pouvoir la revoir avant un bon bout de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Tifa est un cas à part. Les auditions à la résidence de Don Cornéo, elle a été recommandée pour y participer. Quelles auditions? Celles que Don Cornéo organise pour choisir sa femme. Et je peux vous dire que la jolie Tifa correspond parfaitement à ses goûts. Ça fait de nombreuses années que je lui recommande des filles. Je connais bien son type. C'est pour ça qu'elle va pas pouvoir sortir de la résidence avant longtemps. Peut-être même qu'elle pourra plus jamais en sortir. Tu peux nous dire où est cette résidence? Hey, mon vieux, je sais pas trop ce que t'as en tête. Mais laisse-moi en dehors de tout ça. Je veux pas de problème. Allez, tirez-vous. Ah non, il est parti. On n'a pas le choix. Parcourons la ville. Allons voir quelqu'un d'autre. Bienvenue à la capitale du plaisir. Nous avons tout ce dont vous pouvez rêver et même plus. Wall Market. Vous êtes venu en couple? Pas de problème. Profitez de ces plaisirs ensemble ou chacun de votre côté. Je peux même vous trouver un travail. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez? Merci, c'est bon. Cloud, allons-y. Hé, vous deux, les amoureux! Vous avez trouvé l'endroit où vous alliez dormir ce soir? J'ai une chambre parfaite pour vous deux, mes petits tourtereaux! Combien? Pardon? N'hésitez pas à revenir me voir si vous changez d'avis. C'est exactement là où on est! Mon portefeuille, j'ai dû le perdre quelque part. Qu'est-ce que vous diriez dans l'eau?